des systèmes de traduction, mais il n'y a pas de linguiste. On n'a pas besoin de linguiste. On se sert de vos traductions. Donc c'est du traitement de données, c'est du traitement de données statistiques, et finalement, ben, de plus en plus, on pourra se passer des médecins. C'est une solution que vous connaissez parce que vous avez des standards de services qui sont standards et homogènes à travers le monde. La raison essentielle est que pour que l'Internet des objets d'école devienne un marché de masse, il faut rassembler quatre critères, ceci étant l'efficacité énergétique. La livraison J+1 dans mon métier, ça, c'est aussi un truc super basique, mais il y a des façons différentes de lire le J+1 dans les transports. Le condition-based maintenance, c'est-à-dire qu'on a un sensor qui est en état 0, qui passe en état 1, et ça nous permet de savoir ce qui se passe sur l'équipement, sur vos voitures que vous amenez régulièrement chez le garage. On vous dit, il faut aller faire votre vidange après 30 000 km. Alors tout le monde pense qu'il ne faut surtout pas aller à 32 000 km, et beaucoup y vont à 25 000 km. Alors que cette information, elle est juste indicative et qu'elle n'a rien à voir avec l'état réel de l'huile. Et la plupart des robots auxquels on va accéder maintenant n'auront pas des formes humaines, ce sera des systèmes de manutention, de pilotage. Et je pense que nos enfants, nos petits-enfants, vivront avec plein de robots autour d'eux, et là, ça sera complètement naturel, comme il est pour nous naturel de voir des voitures, des trains et des avions autour de nous. On est une jeune start-up, on a été créé en 2014, on est aujourd'hui 25, on a des premiers clients qui sont soit des chargeurs, soit des organisateurs de transport avec qui on travaille. Notre outil, c'est une plateforme web en fait collaborative qui est connectée à une application mobile de tracking pour les conducteurs routiers dans leur camion. On est capable, grâce à une solution technologique, de mettre, développer une relation entre des gens qui ont l'actif et des gens qui ont besoin de cet actif. C'est toujours la même logique. Réfléchir à développer la densité de notre réseau de partenaires chauffeurs pour obtenir un service extrêmement fiable. Donner une vision de l'évolution de ce groupe en termes de prestataire logistique, c'est ce qu'on va vivre avec la pause qu'on a vécu avec Deutsche Bahn et la création de DHL il y a 20 ans et le succès. C'est une entreprise qui est complètement autofocus sur la livraison de colis, point. Aujourd'hui, on a un système où on fonctionne avec des API ouvertes. Hein. C'est un système qui est totalement gratuit pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont télécharger l'application, ils vont venir se connecter à notre système pour repousser l'information vers leurs clients. Pourquoi cette conférence était importante pour TIP? Parce que nous pensons être au cœur de la supply chain. Nos clients sont les chargeurs, mais sont aussi les transporteurs. Donc ce qui était important, c'était de réunir tout ce monde qui est finalement un monde complexe et donner l'occasion à chacun de faire un point sur sa contribution dans l'amélioration de tout ça. Voilà, donc on est ravis de ce qui s'est passé cet après-midi parce qu'on a fait un tour d'horizon assez large finalement de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine.